Le pouvoir. Le pouvoir. Je vais vous présenter deux images. À quoi sert le pouvoir dans les mains d'un illettré? Regardons attentivement. Allons-y sur le terrain, je vous en prie. Je dis allons-y sur le terrain, je vous en prie. Quand vous faites des on vous attend sur le terrain. Écoutez-moi, quand vous parlez, je vous parle, soyez poli. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais dans quel pays est-on? Mais il ne peut pas finir me poser la question et se comporter de cette façon. Très bien, je vais vous présenter l'intégralité de ces deux images à la fin de la vidéo. Mais avant, qu'est-ce que vous avez vu? La première image, c'est l'image de Évariste Touadéra, le fils du président Faustin Archange Touadéra, le président de la République centrafricaine. La deuxième image, c'est l'image du ministre actuel Raymond Don Sima, le premier ministre de transition nommé par le président de transition Brice Oligui Nguema au Gabon actuellement. Pourquoi je vous présente ces deux images, les amis? Vous savez, certaines personnes pensent dans la vie-ci que lorsqu'ils ont le pouvoir, ils se prennent pour Dieu. Ils pensent qu'il n'y a plus personne au-dessus d'eux. Vous devez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Si vous êtes peut-être à 6, ils sont à 7 ou 8. Ils ne savent pas, ils ne pensent même pas un instant que la roue tourne. Qu'un matin, les choses peuvent changer et les choses peuvent inverser. Le 6 peut s'inverser en 9 et vous devenez le supérieur. Voilà un enfant qui manque du respect à son supérieur. Tout simplement parce qu'il est le fils du président de la République. Comme il a le pouvoir, il se croit permis de tout faire. Il gifle même comme ça, peut-être même, disons même son père. La malédiction. Ça dit, les gens oublient. Bon, je ne suis pas responsable de ce que vous allez entendre ou bien ce que vous allez penser. Je suis responsable de ce que je dis. Certains pensent comme ils sont présidents ou bien comme leur père est président. Un président a juste, son temps sur terre au pouvoir. Hein? Même nous les hommes, si. Chacun a juste un passage sur terre, un temps. Personne n'est immortel. Même si ton père est président, mon ami, demain il peut ne plus être président. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Quand on est président, c'est juste pour un temps. Même si ça dure comment, c'est pour un temps. Alors, la deuxième image que vous avez vue, bon, je ne veux pas trop entrer en détail, c'était pendant la campagne électorale. Le ministre actuel, oui, partait à la présence, pourquoi, quoi, ce n'est pas important. Vous voyez donc, le monsieur qui lui manque du respect là, c'était un proche direct du président en fonction à l'époque, Ali Bongo. Il a manqué du respect à l'opposant. Parce que rappelons que M. Don Sima, était un opposant farouche en ce moment. Donc, comme il était au pouvoir, comme il avait le pouvoir, il lui a manqué du respect. Aujourd'hui, M. Don Sima est le premier ministre de transition. Il a le plein pouvoir maintenant. Et le monsieur qui lui manquait du respect, je crois qu'il était même parmi ceux qu'on a attrapés en premier lieu. Qui a le pouvoir donc maintenant? Voilà le 6 qui s'est retourné. C'est devenu 9. Je voudrais juste dire ceci à mes frères et sœurs. Si tu as la possibilité aujourd'hui de manger 3 fois, 4 fois par jour avant de dormir, ne crois pas que toute ta vie sera rose. Même si toute ta vie sera rose, pense à ta progéniture. Pense à tes enfants, tes petits-fils. Profitons du peu de temps que nous avons pour faire du bien à nos proches, à notre entourage. Parce que comme tu manges bien aujourd'hui, demain, les choses peuvent changer. Si tu as la possibilité d'aider quelqu'un aujourd'hui, mon frère, si tu es à un poste où tu peux donner le travail aux gens, tu peux aider tes frères, si tu as la possibilité de positionner tes frères, fais-le. Parce que demain, tu peux ne plus avoir, tu peux ne plus être sur ce poste-là. Et que c'est la galère qui frappe à ta porte. Si tu n'avais positionné personne, qui va te soutenir? Voilà celui qui manquait du respect à M. Don Sima. Je suis sûr qu'aujourd'hui, si on le met encore devant le premier ministre, que parle encore, dit, jette encore la main comme hier, il va se coucher même pour demander les excuses. Mais il se fait tard. Pourtant, si c'était bien comporté hier, aujourd'hui, il pouvait avoir le soutien de M. Don Sima. La vie nous enseigne et nous devons comprendre la vie, les amis. Nous ne nous croyons pas trop puissants, trop forts, qu'on a un peu de pouvoir. Si tu as un peu, donne pour ton projet, aide ton prochain. Parce que demain, tout peut basculer. Chers oncles, chers tantes, si vous avez la possibilité d'aider les membres de famille, d'aider certaines personnes qui sont dans vous, qui sont dans le besoin, qui vous tapent les mains, pardon, prenez les mains. Parce que demain, comme vous croyez que vous êtes riche là, demain, tout peut basculer.
celui qui ne mangeait pas avant de dormir devient le multimilliardaire. Pendant que toi qui étais millionnaire hier, tu te retrouves dans la rue. J'espère que vous avez compris. Regardez la suite de l'image. Monsieur Mbouane Djamé, les gens sur lesquels vous marchez. D'accord ? Je ne fais pas partie des gens sur lesquels vous marchez. Monsieur Mbouane Djamé, je suis la preuve du contraire. Vous n'êtes rien pour moi. Alors vous faites le malin ici, mais pas avec moi. Je vous le dis. Je ne peux pas tolérer ça. Vous me connaissez, non ? Mais c'est quoi cette histoire-là ? Il se prend pour Mbouane Djamé. Mais qu'est-ce que cette histoire-là ? Mais la fin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non! Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Je lui réponds poliment. Il me pose une question. Et ça va. Mais il est discours quoi? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais il est quoi, Mbouane Djamé? Mais il ne peut pas finir me poser la question et se comporter de cette façon. Je ne suis pas un bidon. Si la personne est en haut de gauche, je ne suis pas dedans. On sait que c'est ça. Michael Moussa est mort. Mais ça veut dire quoi? Vous qui? Mais ça veut dire quoi? Tu veux parler à Raymond? Il peut parler comme ça. Tu veux lui parler à Raymond? Je veux pas en grand jamais. Je veux le voir. Moi, ton soin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Brajabi parle à Raymond. Pas ici. Parce qu'on porte des titres. Il est capable de me faire face. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment il se comporte? C'est quoi c'est ça? Est-ce que quelqu'un est venu de se décider d'ancien premier ministre? Mais pourquoi? Parce qu'il est... Bourajabi. Mais attention. Il sort d'où? Il est où? En âge. Et allez chercher, il est où? Il a blanc, quel Moussa. C'est nous, vous êtes mort aujourd'hui. Vous êtes mort. Est-ce que Bourajabi est là? Est-ce que c'est un homme? Il n'a qu'à sortir. C'est nous, c'est votre appel. Je répète à haute voix, si vous ne m'entendez pas. Est-ce que Mbouane Djamé est un homme qu'il sorte? Il n'a pas de couilles. C'est moi qui parle. Il a le cul éclaté. Il est où? C'est pas un homme. Et on alors, vraiment, on est ça nous met notre cœur mal au cœur. Ok, merci de partager la vidéo. J'espère que vous avez retenu une leçon après tout ça. Ce qui me surprend, c'est que nous tous, on va mourir. Hein. Nous tous, on va mourir et laisser tous ces biens éphémères qu'on bagarre pour ça. On va mourir et laisser tout ça. C'est ça qui me surprend. En tout cas, c'est ça aussi la vie. Hein. C'est ça la vie. Merci de partager la vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.